Mariage blanc, un Algérien reçoit une OQTF à la place d'un titre de séjour. La France a intensifié ses politiques d'immigration, témoignant de l'augmentation des OQTF délivrées aux étrangers en situation irrégulière. Malgré la légitimité de ces mesures, des cas comme celui d'un couple franco-algérien soulèvent des inquiétudes. Un Algérien de 32 ans, marié à une Française, est contraint de quitter le pays malgré son mariage et sa demande de titre de séjour pour motif familial. Après le rejet de sa demande par la préfecture du Vaucluse en février 2022, il saisit les tribunaux de Nîmes et de Toulouse, mais sans succès. La cour d'appel de Toulouse confirme son expulsion le 7 mai. Les obstacles principaux incluent son entrée régulière en France pour le certificat de résidence lié au mariage et les soupçons de mariage blanc. Ces derniers sont renforcés par l'absence de preuves de relations antérieures au mariage et son passé en Algérie, perçu comme un signe d'un lien limité avec la France. Ces cas soulignent les difficultés des couples mixtes en France, confrontés à un processus administratif complexe. Les mairies doivent vérifier la validité des mariages pour éviter les fraudes.